Alors, ce qui a été amusant aussi, c'est que le livre s'est rajouté au Crazy Project, qui est maintenant la mémoire de la peinture, qui est ma mémoire à moi. Pour moi, l'éditeur et toute son équipe est aussi intégré au travail d'atelier. Et ça m'a permis de me découvrir moi-même. Moi, je suis parti cet hiver en Nouvelle-Zélande avec l'idée un peu de me vider la tête, comme ça, de revenir un peu pur sur des idées que j'avais sur moi-même, la peinture et mon expérience, et être confronté dans l'atelier à un groupe avec des assistants qui font plus que m'aider, qui sont force de proposition, une maison d'édition qui, eux, passe mon travail à la moulinette et m'en livre quelque chose d'autre. Et moi, au milieu de tout ça, qui va essayer de surnager, essayer de comprendre qui je suis en menant une série qui va s'appeler La mémoire de la peinture.